Salut à tous. Alors on se retrouve sur Titan Quest. On était juste arrivé à la ville de Memphis. Donc là on va avoir du boulot. On a récupéré quelques quêtes il me semble. Le frère disparu et la requête du grand prêtre. Alors toutes les deux c'est dans des pyramides il me semble. Et enfin une dans le pyramide et l'autre dans le grand sphinx. Quelque chose comme ça. Donc on va essayer de faire toute la zone qui est assez grande plus les deux grottes pour faire ces quêtes là. Voilà, voilà. Allez, bonne nuit à tous. Yeah.
Alors là, la petite grotte là que vous voyez ici, ça nous permet en fait de passer du coup dans une sorte de tunnel si vous voulez et d'arriver à la surface même un petit peu plus loin qui est pas atteignable en fait. J'ai pas d'autres accès au prochain territoire là. Alors la map, donc là vous voyez c'est là c'est tout un cercle si vous voulez ici comme ça et du coup là cette zone là me permet d'en fait de pop un petit peu plus loin vers ici quoi en gros. Mais ça du coup je le ferai qu'à la fin, pas tout de suite. Ah en fait j'ai peut-être confondu, je viens de voir qu'il y a une autre grotte et c'est marqué le passage de Fayoum. Il y a deux grottes côte à côte, à chaque fois je me fais avoir. Entrée de la grotte. Ah donc celle-ci c'est une grotte normale, je peux la faire. Ok. J'avais zappé qu'il y avait deux grottes à la suite. Ok bon on va faire ça vite fait. Je n'entrerai pas si j'étais vous. Il avait... Voilà, vous allez voir le mob. Il doit être très forte chance pour qu'il me one shot. Déjà en mode épique, il me faisait super mal. Faut pas que je me fasse toucher. Il prend très cher, hein, mais il met super cher aussi. Thank you.
Holy shit! Putain! Mais ils m'ont pas donné de chance. Abusé. Tous les mobs sont pas équilibrés, hein, franchement. J'ai pu me prendre des fois des dizaines d'attaques de certains mobs et tu vois cela, ils sortent de terre et poum poum. Hop, mouru. Des monstres sont entrés. Il faut les avoir. Et du coup c'est une des quêtes secondaires qui est dans un des bâtiments là. Du coup c'est le sphinx et c'est la quête principale qui est dans la pyramide. Du coup déjà on a déjà fait une des quêtes secondaires dans la grotte annexe. Donc on va commencer par le sphinx. Allez hop.
Alors, changement de niveau. Alors, on va mettre des points dans la Dex, comme d'hab. On avait ramassé un petit truc vert tout à l'heure, une amulette je crois, un truc blanc. Ok, donc c'était bien que l'amulette. Amulette du tigre, 22% de vitesse totale. Et ben, ça c'est vraiment un item de merde quoi. J'en ai rien à foutre, hein. Je suis déjà assez vite quoi. Pas donner un truc potable. Et le reste, est-ce que je peux le rassembler? Oh, je verrai ça plus tard. Ouais, on s'en fout. Ah, attends, je viens d'avoir un. Et le soleil aussi. Il y a même un qui est tout seul. Et ça aussi. Bon, allez. Ah, tiens. On continue. Oups. J'ai oublié un point de compétence. Je m'éloigne un peu au cas où. Alors, où est-ce qu'il me restait des points à mettre? Ah, dans le poison, je vois. Et ben voilà. Allez. Bientôt fini.
Alors, petite explication en fait sur la strat là. Vous avez du coup 4 pharaons qui dorment, et pour les réveiller, il faut détruire l'obélisque qui est à côté à chaque fois. Alors, on peut, si vous voulez, tuer un pharaon à la fois. Le problème, c'est qu'on se tape en fait les spectres de chaque obélisque en attendant. Et c'est super relou quoi. Du coup, je préférais dépenser tout le temps au début à focus les 4 obélisques pour pouvoir me débarrasser de tous les spectres qui est autour. Comme ça, j'ai plus de distance à m'occuper si vous voulez. Et puis après, j'ai 4 4 mecs au corps à corps à focus. Et quand ils sont côte à côte, vous savez, j'ai mes éclats en plus qui les DPS. Donc, ouais, je trouve ça plus simple comme ça. Plus OP. Du coup, en fin de compte, vous voyez, je m'étais encore trompé au niveau des quêtes. La quête principale, c'était dans le grand sphinx. Parce que là, le bâton qu'on vient de récupérer, c'est le bâton de la main d'équilibre, pardon. Bon, force un bâton quand même. Et c'est ça pour la quête principale, il me semble. Et du coup, c'est dans la pyramide qu'on a le prêtre à tuer, quelque chose comme ça. La requête du grand prêtre, c'est d'être ça. Voilà. Grand prêtre du Memphis semble avoir besoin de votre aide. Parlez-lui à nouveau. Ok. Et le frère disparu, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous allez recevoir comme récompense. Ok, alors là on va sortir comme ça, ce sera plus rapide. Et du coup on va rejoindre la pyramide.
Et voilà le bâton. Alors on va finir quand même la pyramide. Hein. Il nous reste le passage du milieu et à gauche. Je crois pas qu'on ait d'autres quêtes hein, ici du coup. Remarque, je vais pas m'avancer parce que je crois que si. Je les confonds toutes ces pyramides. C'était bien là le grand prêtre. Et du coup là les deux objets magiques à mon avis que j'ai récupéré, et bah du coup c'était pour la quête principale, mais je savais pas qu'on en récupérait deux en fin de compte sur cette zone là. Quête principale. Obtenez l'œil. Oui j'ai obtenu la main. Alors c'est quoi le deuxième bâton là que j'ai récupéré? J'ai récupéré le sceptre de Khéops. Et pourtant c'est que la main qu'il faut. Et alors le sceptre. Le grand prêtre de Mphis semble avoir besoin de votre aide. Bon, je sais pas, on s'en fout. Alors, on va rendre les quêtes. 5, 5, salut toi. Je sais, je sais. Merci. Les agitateurs ont exigé que nous prouvions le plus que merci. Voilà. Et bah du coup, la prochaine fois, alors, au niveau de la map. Bon, il y a un petit truc que j'ai pas fait, mais je le ferai la prochaine fois. Bon, il y a pas grand chose dedans, de toute façon. Parce qu'avec les deux pyramides, ça prend pas mal de place. Donc la prochaine fois, je partirai du TP de Gizeh. Et j'irai donc du coup prendre le passage de Fayoum. Qui est une grotte vers ici, je crois. Parce que ça, c'est la grotte annexe qui est pas... Bah si, il y a une quête dedans. Il y avait une quête dedans. Ouais. Donc voilà.
Ce sera le programme de la prochaine fois. Est-ce que je vais vendre? Ouais, je vais vendre. Et je vais acheter des popos, oui. Pour pas avoir à le faire la prochaine fois. Voyez donc ça. Un grand guerrier venu d'une contrée lointaine. Je parie que tu trouveras ton bonheur ici. Au revoir. Voilà, voilà, les gars. Allez, je vous laisse. À plus.